tu attires ce que tu es. Souvent, on me dit, Charles, j'attire que les connards, ça ne veut pas dire que je suis une connasse. Évidemment. Ce n'est pas parce que tu attires des gens toxiques que tu es toxique. Mais il y a quelque chose dans toi qui fait que tu vas attirer ce genre de personnes. Exemple, tu as le syndrome de l'infirmière. D'accord ? Tu aimes bien réparer les gens. Tu aimes bien sauver les gens. Du coup, bah, tu vas être attiré par des gens qui sont brisés, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des cicatrices. Parce que tu aimes bien réparer les gens. Ça ne veut pas dire que toi-même t'es brisé, ça veut dire que tu vas attirer à toi les gens qui correspondent à ce que tu es. Syndrome de l'infirmière, tu es une infirmière, donc tu vas attirer des gens malades. Hein? Donc ça, c'est le premier symptôme. J'attire que des hommes qui manquent de respect, parce qu'elles ne se respectent pas à soi-même. J'attire ce que je suis. Elles ne se respectent pas. Donc je laisse les gens me manquer de respect. Parce que je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas conscience de ma valeur pour lui répondre indirectement. Autre exemple. Tu as grandi avec une maman que tu as vue souffrir, que tu as vue pleurer, que tu as même peut-être entendu « Ma fille, fais attention, les hommes c'est tous des cons, méfie-toi ». Donc tu as développé la croyance en grandissant que amour est égal danger, que homme est égal problème. Donc inconsciemment, tu vas auto-saboter toutes tes relations. Tu comprends? Parce qu'au fond de toi, tu as cette croyance que l'amour est égal un problème, que l'homme est un danger. Tu as donné raison à ta croyance parce que c'est l'inconscient. Vous ne pouvez pas battre l'inconscient, sauf si vous faites un travail dessus. Et du coup, ben, j'auto-sabote mes relations. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive jamais à trouver une relation, pourquoi je ne trouve pas un homme assez bien pour moi. Parce que tu as cette croyance limitante. Vous voyez les filles, pourquoi il est important de faire un travail de développement personnel. Pourquoi il est important de travailler en profondeur. Vous voulez des hommes qui soient stables émotionnellement, mais il faut que vous le soyez vous aussi. Et souvent, on n'en a pas conscience. Donc, si tu ne fais pas ce travail sur toi, ben, tu vas juste faire quoi? Ben, reproduire les mêmes schémas, les mêmes relations. Et donc, ben, rien ne changera si tu ne changes pas toi-même. Donc, vous pourrez toujours dire que c'est la faute des hommes, si vous voulez. Mais est-ce que j'ai fait ce travail sur moi? Parce que, les filles, on est d'accord, vous voulez qu'un homme ait confiance en lui. Il va devoir se former, ça se travaille. Ça ne tombe pas du ciel, la confiance en soi. Vous voulez qu'un homme soit mature émotionnellement. Vous avez raison, hein. Mais il va falloir qu'il fasse un travail sur lui. Qu'il trouve ses blessures, ses croyances, qu'il déconstruise ses blessures et qu'il travaille sur ça. Vous voulez qu'un homme, il vous comprenne. Ça fait 5 ans que je me forme, hein, aux États-Unis, en France, partout, pour vous comprendre. Donc il va falloir qu'il se forme, mais très fort pour vous comprendre, parce que Dieu sait que vous êtes complexe. N'oublions pas, 75% des mariages lesbiens divorcent. Donc, ça veut dire que même les femmes entre elles ne se comprennent pas. Et vous voulez qu'un homme vous comprenne sans se former? Impossible. Vous voulez qu'un homme vous fasse bien l'amour? Vu comme il vous lèche, vaut mieux qu'il se forme. On est d'accord. Quand il vous lèche, déjà, c'est un miracle. Quand il ne prend pas votre clito pour un DJ, une table de mixage. Donc, vous voulez que les hommes se forment pour tout ça, pour vous comprendre, pour bien vous faire l'amour, pour être stable. Est-ce que vous le faites vous aussi, les filles? Parce que je vous garantis que cet homme, il aura toutes les femmes qu'il veut. C'est un homme qui comprend une femme, un homme qui est bien, un petit peu beau quand même. Hein. On peut en prendre un qui n'a pas de chicot et une haleine de poney, qui a un peu réussi dans la vie. Mais je te garantis que le gars, s'il est assez intelligent pour décider de se former sur tout ça, il a réussi dans la vie. Il a toutes les femmes qu'il veut. Donc pourquoi toi? Parce que regardez, au final, les hommes, ils veulent tous coucher avec vous. Mais il y en a combien d'exceptions qui restent, les filles? Dites-le moi en commentaire. Combien d'hommes d'exceptions restent? Et coucher avec un homme, c'est facile. Trouver un homme d'exception et le garder, c'est autre chose. Ils veulent tous coucher avec vous, mais il n'y en a aucun qui reste. Donc, comment faire pour être cette femme d'exception? Pour être cette femme d'exception, il va falloir faire un travail sur soi.
Il va falloir apprendre à s'aimer, à être mieux dans sa peau, à être mieux dans sa tête émotionnellement. C'est des blessures qui sont inconscientes, qu'on a accumulées dans notre enfance, dans notre éducation, dans notre passé amoureux peut-être aussi, dans notre passé tout court. Et j'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'être trompé, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être seul. J'ai peut-être de la dépendance affective. Et il y a un gros travail à faire. Parce que vous allez toujours, toujours reproduire les mêmes schémas. Vous comprenez les filles? Donc c'est vraiment, vraiment important de faire un gros travail sur soi. C'est pour ça que dans le programme Déesse de l'amour, je vous ai mis du développement personnel. Vous avez trois modules, les filles. D'ailleurs, n'oubliez pas, il est en promo. On vous offre le programme séduction, il vaut 150 euros. On vous en offre un en plus du programme Déesse de l'amour. Donc tu vas avoir 80 vidéos pour tout savoir des hommes, les séduire, les faire s'engager et ensuite les garder. C'est pas juste le séduire, c'est séduire, le faire s'engager déjà et le garder. Et tu as un petit module sexe pour commencer à le marquer au lit parce qu'on veut le marquer à tous les niveaux. D'accord? Profitez-en, celles qui veulent en profiter. Posez vos questions pendant ce temps-là, les filles, je vais y répondre. Ça y est, on a fait le tour. On clique sur le petit lien bleu. C'est le programme Déesse de l'amour. Tu as tout sous forme de vidéo. C'est super joli, c'est accessible à vie. En plus, tu nous rejoins dans le groupe privé. Toi, tu as toutes tes vidéos qui sont là, qui sont listées là. Tu cliques. Il y a un groupe privé, on est plus de 600 dedans. On va te Pourquoi motiver. je n'arrive pas à avoir de belles relations? Hop. On va te motiver, on va te rassurer, on va t'épauler. T'es pas toute seule et ça vaut tout l'or du monde. Parce que quand on ne sait pas quoi répondre, quand on ne sait pas quoi faire, si on a un doute, hop, tu as 600 cerveaux pour t'aider à le rendre dingue de toi. Et tu as un journal que tu peux imprimer. C'est moi qui l'ai fait. Tu as plein de quiz, de tests, de rappels, de conseils. Ça va t'accompagner tout au long de la relation. Comment savoir si t'es un plan cul, une relation sérieuse. Ça va t'éviter bien des surprises et des souffrances. Ok? Tu le prends, tu profites de l'offre, c'est valable ce week-end. Dans 2 jours, tu sais tout ce qu'il y a à savoir des hommes, ils vont te manger dans la main.